Bienvenue au rendez-vous de la grande édition sur la télévision rwandaise. Voici les grands titres. Les acteurs du secteur privé des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale indiquent qu'il faudrait parfaire le procédé commun aux pays de cette organisation économique afin de faciliter l'investissement et les échanges commerciaux. Le président du Sénat du Royaume des Swanis, honorable sénateur, le pasteur Lindiwe Dalmini, en visite de travail au Rwanda, souligne que c'est une fierté de voir des pays africains qui franchissent des niveaux de développement et deviennent des modèles pour d'autres nations du continent. Au sommet également, la direction du Laboratoire national des preuves médico-légales affirme que ces services ont déjà été utilisés par des personnes issues de 11 pays et que la conférence panafricaine de 3 jours sur les signes internationaux utilisés dans la justice qui se tient à Kigali est une plateforme pour promouvoir ces travaux. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre la télévision rwandaise. Les acteurs du secteur privé des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale indiquent qu'il faudrait parfaire le procédé commun aux pays de cette organisation économique afin de faciliter l'investissement et les échanges commerciaux. Le point avec Hassim Youssouf. Les discussions qui se tiennent à Kigali rassemblent des acteurs du secteur privé, des officiels des départements en charge de l'économie et des représentants des organes de prise de décision en provenance des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. On fait observer qu'il y a encore des obstacles qui entravent les échanges commerciaux au sein de cette communauté. L'une de ces difficultés majeures, d'abord, c'est, n'est-ce pas, l'absence parfois de facilités ou des infrastructures pour le commerce transfrontalier. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, nous déplacer seulement d'un pays d'Afrique centrale à un autre vous oblige parfois à sortir de l'Afrique centrale. Si je veux aller parfois dans un pays d'Afrique centrale, on est obligé de passer par l'Afrique de l'Est ou par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est déjà une difficulté. Notre région a 3100 km de côte maritime, mais vous savez qu'il n'y a pas de compagnie maritime. Donc parfois pour que j'exporte un produit en bateau, par exemple du Cameroun pour par exemple l'Angola ou le Rwanda ici, parfois le bateau doit aller dans d'autres ports hors de notre région. Donc il y a des difficultés comme celle-là. Il y a des corridors de commerce entre les pays côtiers, les pays de l'Interland. On se rend compte que ces corridors de commerce sont aussi entravés par beaucoup de barrières qui entravent les coûts, d'intermédiation et qui font que parfois il n'est même pas facile, même lorsque la route existe, même lorsque le corridor existe, il n'est pas toujours facile pour les entrepreneurs, les entreprises d'exporter d'un pays à l'autre. Donc il y a ces difficultés-là, ajoutées au problème d'harmonisation de la fiscalité, des problèmes de monnaie. Donc véritablement au niveau régional, nous pensons qu'il y a encore du travail à faire pour que notre région, le cadre de libre-échange de notre région soit véritablement concrétisé et que nous puissions, n'est-ce pas, l'opérationnaliser de manière à le vivre dans la libre circulation des personnes et surtout des biens et dans la facilitation du commerce entre nos pays, l'accès aux différents marchés. Pour éliminer ces obstacles, une étude de faisabilité a été élaborée et la rencontre de Kigali a notamment pour mission de l'analyser et d'évaluer sa mise en exécution. Kanimba François est commissaire au sein de cette organisation. Il a fait savoir que des mesures fermes pour y arriver ont été mises en place. La directrice générale en charge de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Shakila Umutoni Kazimbaya, a rassuré les acteurs du secteur privé et ceux qui œuvrent dans le domaine du développement économique dans cette organisation du soutien du Rwanda. Dans les affaires économiques. Donc, comme vous le savez, le Rwanda est membre entier de la communauté de la région des pays de l'Afrique centrale. Et donc, en tant que membre entier, nous sommes disposés à jouer notre rôle afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires.
Dans le rapport Doing Business de 2020, il s'avère que seul le Rwanda, dans la communauté, fait partie des 50 pays qui ont pu faire mieux en termes d'améliorer le climat des affaires. Et donc, nous, en tant que membres de cette communauté, ce que nous voulons, c'est vraiment de partager nos expériences, ce que nous avons pu bien faire et le partager avec nos amis de la communauté de l'Afrique centrale. Parce que nous avons cette grande ambition de profiter entièrement du marché commun africain. Et pour y arriver, il est très important que nos pays fassent beaucoup de réformes de façon vraiment structurelle afin de faciliter le climat des affaires et de profiter pleinement de ce marché africain de libre-échange. La communauté économique des États d'Afrique centrale comprend 11 pays, à savoir le Rwanda, l'Angola, le Burundi, le Congo-Brazzaville, la RDC, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon, Sao Tomé et Principe, le Tchad et la Guinée équatoriale. Le président du Sénat du Royaume d'Eswatini, honorable sénateur Lindiwe Dlamini, en visite de travail au Rwanda, souligne que c'est une fierté de voir des pays africains franchissent des niveaux de développement et deviennent des modèles pour d'autres nations du continent. Les détails avec David Carmel Ingavile. La visite du président du Sénat du Royaume d'Eswatini, honorable sénateur Pasteur Lindiwe Dlamini, et son équipe au Rwanda est l'occasion d'observer la structure et le fonctionnement au jour le jour du Sénat rwandais et de tenir des échanges entre les membres des deux Sénats. Elle permettra aussi aux visiteurs de se pencher sur l'état du bâtiment du Parlement rwandais, maintenant que le Royaume d'Eswatini est en train de construire un nouveau Parlement. L'honorable sénateur Lindiwe Dlamini se dit impressionné et inspiré parce que lui et son équipe ont vu au Rwanda. It is an honor when you find that there is an African country that you can actually look up to and say. C'est important de voir qu'il y a un pays africain qu'on peut regarder et dire qu'il avance. Il y a beaucoup à apprendre. Le Rwanda est à la pointe. Il a su réussir et se reconstruire après divers problèmes. Le Rwanda est un bon exemple de réussite. C'est pourquoi, en tant que pays africain, nous voulons en tirer des leçons. To which, as African countries, we are coming to say we want to learn from you. Le président du Sénat rwandais, le docteur Kalinda François Xavier, dit que c'est positif qu'il y ait des pays qui veuillent apprendre du Rwanda après tout ce que le pays a traversé, mais insiste également sur le fait que c'est une bonne opportunité pour le Rwanda d'acquérir réciproquement des connaissances de ces pays. Turabyishimira cyane ko baza kwigira ku byo tumaze kugeraho. Nous sommes heureux de voir qu'il y a des gens qui demandent à apprendre de nous. Cela nous montre que le Rwanda, malgré d'où nous sommes partis et sous l'égide du président de la République, est un bon exemple de gouvernance. Et nous devons aussi apprendre quelque chose des autres. Parce que en tant que Parlement, nous devons faire des lois qui sont capables d'aider les gens de la manière la plus facile. L'honorable sénateur Lindiwe Dlamini et le groupe qu'il dirige ont également visité le mémorial du génocide de Kigali, où ils ont rendu un hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. I'm heartbroken. I am shattered. Mon cœur est attristé de voir qu'un pays ait pu faire face à une telle atrocité. C'est difficile à imaginer. Je veux dire aux Rwandais que vous n'avez pas perdu foi face à tout cela. Vous avez coopéré pour reconstruire et vous êtes aujourd'hui un modèle pour les pays africains. Et je remercie particulièrement le président de la République, Paul Kagame, pour sa bonne gouvernance, sa diligence et sa solidarité avec le peuple. Tous les Rwandais, vous avez fait un excellent travail. La délégation de l'Eswatini a continué cette première journée de visite au musée historique de lutte pour arrêter le génocide. Il est prévu que la visite dure 4 jours.
Le Rwanda va se joindre ce 8 mars au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la femme, axée cette année sur l'inclusion numérique, l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes. Au Rwanda, la femme évolue bien dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Donc, aujourd'hui, la grande édition de la télévision rwandaise revient sur la femme dans le tourisme et l'hôtellerie. Raison pour laquelle nous sommes en direct avec Madame Nicole Mukonde, directrice de l'université de gestion de l'hôtellerie, Vatel School. Nicole, bon après-midi. Bon après-midi. Selon vous, en tant qu'éducatrice, comment la femme qui fut pendant longtemps marginalisée est-elle actuellement genre en train de saisir l'opportunité qui est offerte par le leadership? Merci pour cette invitation. Et donc je pense que en ce qui concerne notre pays, donc le Rwanda, nous avons la chance et le privilège d'être dans un pays où notre leadership, en commençant par le président de la République, est un fervent défenseur des droits de la femme. Et il a mis en place plusieurs politiques qui permettent aux femmes de pouvoir s'épanouir dans la société. Il a aussi permis à augmenter, grâce à ces politiques qui ont été mises en place, à augmenter le nombre de femmes qui avaient accès à l'éducation. Et c'est aussi, il a aussi permis à la population, je dirais, aux Rwandais, de comprendre l'intérêt de promouvoir les femmes et de ne pas les laisser pour compte. Et l'intérêt est qu'aujourd'hui, l'éducation, le droit à l'éducation pour la femme est un droit et non un privilège. Ouais. Donc, et revenons au thème de cette année pour la Journée internationale de la femme qui est axée donc sur l'inclusion numérique, l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes. De votre point de vue, pourriez-vous nous parler du comportement de la femme auprès de son frère donc dans ce domaine, concrètement à Vatel School, où vous êtes directrice? Donc nous, à Vatel, ce que nous apportons au niveau de l'éducation, donc on a un programme de formation, une licence qui se fait sur 3 ans, où nous avons des élèves niveau université qui sont garçons-filles, donc mélangés dans les classes, et qui sont formés pour devenir les futurs leaders dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme. Là où vient l'inclusion et l'utilisation des outils numériques dans notre éducation, c'est que nous utilisons ces outils pour permettre de réduire les écarts qu'il y aurait entre les élèves qui n'ont pas eu accès au numérique avant d'entrer dans notre école. Donc nous éduquons nos filles, principalement, à utiliser les outils, mais surtout à les utiliser pour pouvoir leur permettre d'avancer et aussi pour pouvoir leur permettre d'avoir une valeur ajoutée quand elles commenceront à travailler dans les entreprises. Et je pourrais ajouter aussi que les outils numériques aujourd'hui, on peut le voir après la crise de la Covid, les outils numériques on a dû accélérer l'entrée et l'utilisation de ces outils numériques. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que la technologie, au lieu de nous faire peur, je dirais, devrait être utilisée pour nous aider à avancer, nous aider à pouvoir réfléchir mieux, avoir accès à des faits, à des data. Et c'est ce que nous, à Vatel, nous apportons en tant qu'éducateurs, et une éducation de qualité, mais aussi une éducation qui suit ce développement de l'outil numérique dans l'éducation, ce développement de la technologie. Vous êtes spécialiste dans le tourisme et l'hôtellerie. Parlez-nous de la femme dans ce secteur. Est-elle active ou passive? Est-ce qu'elle bouge? Déjà, merci de m'appeler spécialiste. Je pense que, encore une fois, au Rwanda, nous avons vraiment de la chance. Parce que nous grandissons ou nous vivons dans un État qui nous permet d'évoluer et qui nous permet de vraiment nous épanouir. Que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine hôtellerie, dans le domaine tourisme, nous sommes vraiment, les portes sont ouvertes. On a accès à des postes de direction, on a accès à des postes managériaux, et pas parce qu'on est femme, mais parce qu'on le mérite et parce qu'on est capable. Mais on constate aussi que sur 56% de femmes qui sont dans le domaine de l'hôtellerie au Rwanda, il y a seulement 23% qui sont à des postes de direction. Donc on a encore du travail à faire. Mais je dirais que la femme au Rwanda est active.
Merci. Alors, qui dit tourisme reflète d'une manière ou d'une autre à la qualité du service rendu, au bon accueil et au visage qui rayonne à l'image de la femme africaine, particulièrement de la femme rwandaise. Quelle est votre contribution à Vattel School pour se rassurer que la femme qui accueille les visiteurs des pays de Mille Collines a tous ses attributs? Déjà, je vais rectifier quelque chose, c'est que l'hôtellerie et le tourisme n'est pas un domaine juste pour accueillir le touriste. C'est plus global. Ouais. Donc déjà, à Vattel, nous apprenons à nos élèves et surtout à nos filles de prendre confiance, c'est-à-dire de se sentir qu'elles méritent ces postes de direction. Donc comment nous le faisons? C'est qu'on leur apprend à vouloir plus, on leur apprend à travailler dur, on leur apprend à saisir les opportunités, aussi bien en tant que les opportunités qu'on appelle opportunités pour les hommes que les opportunités qui sont pour les femmes. Et nous essayons aussi, éduquer, c'est pas les hommes, hein, c'est triste, mais il y a quand même une éducation à faire du point de vue homme, de comprendre et aussi de mener ce combat avec nos élèves. Ça ne doit pas être juste la responsabilité des filles de vouloir toujours pousser. L'homme aussi, enfin les garçons avec elles dans la classe, devraient aussi être des advocates, parler de ces défis et aussi aider nos jeunes filles ou les femmes qu'ils rencontreront à pouvoir accéder à ces postes à responsabilité. Voilà, merci beaucoup de rectifier. Alors, à présent, quel message auriez-vous pour une femme qui nous suit, une femme qui est là à l'occasion de la Journée internationale de la femme, et aussi pour un homme, car il y a toujours un père, un frère, un tuteur ou bien un éducateur? Quel message? Alors, je dirais... Les femmes qui nous... et les hommes hein, qui nous écoutent, je dirais qu'il faut continuer à croire en nous-mêmes, déjà. Le domaine de l'hôtellerie et du tourisme est un domaine qui est en pleine expansion, que ce soit au Rwanda, que ce soit sur le continent. Il y a plusieurs opportunités et des opportunités qui, pendant longtemps, n'ont pas été offertes aux femmes, mais qui aujourd'hui sont, à cause des politiques, que ce soit des politiques gouvernementales comme celle du Rwanda, ou les politiques de grands groupes qui, maintenant, ont des politiques mises en place pour pouvoir inclure les femmes et réduire cet écart cet écart que l'on voit entre ce que les hommes ont accès et ce que les femmes ont accès. Donc je dirais aux femmes, saisissez l'opportunité, mais aussi n'oubliez pas celles qui sont derrière, qui n'ont peut-être pas eu les mêmes chances, qui n'ont peut-être pas eu accès aux mêmes opportunités ou qui sont toujours en chemin et qui essayent d'arriver au sommet de la colline. Donc ne les oubliez pas et il faut qu'on s'entraide. Et l'entraide passe par partager les informations, partager les opportunités, partager les connaissances et surtout penser que arriver au sommet, c'est-à-dire à ces postes ou même voire plus, n'est pas quelque chose qui doit être réservé à un petit groupe. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, il est temps qu'on fasse une petite révolution des droits de la femme, comme il y a eu la révolution numérique. Je pense qu'on devrait en faire une, les femmes, et dire non, c'est bon, ça suffit. On veut être aussi... On veut avoir les mêmes droits. On ne veut plus être discriminé. Mais pour pouvoir le faire, il faut un plan. Il faut réfléchir à quoi voulons-nous arriver. Et il faut s'éduquer. Et c'est là où Vattel vient. Et il faut avoir une éducation de qualité. Parce que l'éducation, quand elle est de qualité, on arrive à pouvoir aller n'importe où dans le monde et à pouvoir être globalement compétitif. Et ça, c'est important. Parce qu'on ne nous donnera pas des postes parce que nous sommes des femmes. Ces postes-là, on nous les donnera parce qu'on le mérite, parce qu'on a travaillé durement, parce qu'on a de la rigueur, qu'on a de l'intégrité. Et ça, c'est le message que je passe à toutes les femmes, mais aussi à nos élèves. À Vattel, au Rwanda. Merci beaucoup, Nicole. Merci à toi, Amandine. Je rappelle que c'est Madame Nicole Wamukonde, directrice de l'hôtel Vattel School,
gestion de l'hôtellerie. Et nous étions en train de parler de la femme dans le tourisme et hôtellerie. À présent, parlons du Laboratoire national des preuves médico-légales qui affirme que des services ont déjà été utilisés par des personnes issues de 11 pays et que la conférence panafricaine de 3 jours sur les signes internationaux utilisés dans la justice qui se tient à Kigali est une plateforme pour promouvoir ces travaux. David Carmel Ingabire. Au cours de cette rencontre internationale qui rassemble plus de 400 participants de différents pays, le directeur général du Laboratoire national de preuves scientifiques utilisé en justice, le docteur Charles Kalangwa, a indiqué que le service rendu par ce laboratoire a déjà traversé nos frontières. Le président de la Société africaine de médecine légale, docteur Ouom Eze, quant à lui, dit que lorsque les résultats sont nécessaires en justice, le coût de ce service devrait être payé par le gouvernement, alors que dans la majeure partie de l'Afrique, le coût est encore payé par le citoyen. Nous comprenons que le gouvernement est responsable du coût de ces services de preuves scientifiques lorsqu'il est nécessaire de les utiliser en justice. Mais malheureusement, dans la majeure partie de l'Afrique, il n'y a pas de budget alloué aux enquêtes qui utilisent ces preuves. Il faut donc penser à le faire, car sinon ça affectera l'issue de la justice. Le président de la Cour suprême, Dr Faustin Nezilayo, confirme que les résultats fournis par ce laboratoire aident à rendre une justice de qualité. We in the judiciary, we are very grateful for the invaluable contribution of forensic and medical legal experts. Nous sommes très reconnaissants du soutien fourni par ce laboratoire et les experts qui nous aident à rendre une véritable justice en temps opportun. Le fait que nous ayons ce laboratoire qui soutienne le système de justice en utilisant des preuves scientifiques dans nos tribunaux est une étape importante pour le pays et pour d'autres pays. En plus de fournir des preuves d'experts devant les tribunaux, ce laboratoire nous aide également à réduire considérablement les temps des procédures judiciaires. À ce jour, le Laboratoire national de preuves médico-légales a publié plus de 35 000 preuves depuis sa création en 2018. Le ministère de l'Environnement et l'Office rwandais des forêts ont présenté à la Commission du développement économique et des finances à la Chambre du Sénat rwandais ce qui est en cours d'exécution pour accroître la superficie des forêts pour assurer leur gestion et leur exploitation. Kassim Youssef. Après avoir visité certaines parties du pays où l'on trouve des forêts tant naturelles que celles issues du reboisement et certaines activités œuvrant pour la promotion des forêts, la commission sénatoriale en charge du développement économique et des finances dit avoir constaté qu'il y a encore des problèmes dans l'accroissement de la superficie des forêts, dans la gestion des forêts du domaine public et privé existant et dans leur exploitation. Et pour cette raison, elle a décidé de convoquer le ministère de l'Environnement et l'Office rwandais des forêts pour qu'ils expliquent ce qui est en train d'être fait pour faire face à ces obstacles. La ministre de l'Environnement, le docteur Mujawamariya Jeanne d'Arc, a expliqué que le programme d'accroissement des forêts de son département indique qu'entre autres mesures mises en place dans tout le pays chaque année, entre 30 et 40 millions d'arbres sont plantés, surtout qu'actuellement il y a un programme de sensibilisation de la population qui consiste à planter des arbres traditionnels, y compris ceux qui peuvent cohabiter avec d'autres cultures en conformité avec le plan directeur de chaque sol afin d'atteindre une bonne production. À ce propos, cependant, le ministère a fait savoir qu'il a été constaté que la population apprécie l'eucalyptus alors qu'il est nuisible au sol et qu'ainsi le processus de sensibilisation de la population à planter des arbres traditionnels qui supportent bien le changement climatique et fournissent du fumier devrait se poursuivre. À la question de savoir comment les forêts du domaine public et privé sont exploitées, le ministère de l'Environnement a indiqué
qu'au cours de l'exercice budgétaire 2020-2021, la contribution des forêts a été évaluée à 649 milliards de francs rwandais et ont contribué dans d'autres programmes de développement du pays. Il a été indiqué que les projets qui peuvent apporter de solutions dans le cadre de la préservation des forêts, il y a notamment le reboisement des zones où il y a carence de forêts, promouvoir du charbon sans abattre des arbres et chercher d'autres combustibles que le bois. La Commission du développement économique et des finances à la Chambre du Sénat a exhorté le ministère de l'Environnement à fournir davantage d'efforts dans le partenariat avec d'autres institutions pour préserver et exploiter les forêts afin que là où il y a des problèmes, l'on puisse leur trouver de solutions. Les statistiques révèlent que la superficie reboisée est passée de 29,4% en 2017 à 30,4% de toute la superficie du pays en 2023. La privatisation de la gestion de certaines forêts du domaine public est à hauteur de 38% par rapport à 5% en 2017. Il y a en outre environ 7 716 hectares qui seront bientôt cédés au secteur privé et ainsi le taux va passer de 38 à 63,08% dans une période de 2 mois seulement. Le nombre de personnes qui utilisent du bois comme combustible est passé de 83,3% en 2017 à 77,7%. Le Parlement de Guinée-Conakry souhaite s'inspirer de l'expérience du Rwanda qui a pu se remettre des conséquences du génocide contre les Tutsis en 1994 pour bâtir une nation résiliente tournée vers son avenir. C'est en tout cas le point de vue de Séni Fassinesila à la tête d'une délégation guinéenne en périple au Rwanda depuis ce lundi. Suivez. En Guinée, la transition dont je vous parle date d'une année, n'est-ce pas? Nous avons pu en Guinée pour le moment procéder à un certain nombre de consultations au niveau populaire, au niveau des masses populaires, pour recueillir leur information, leur avis, leur opinion sur ce que les uns et les autres souhaiteraient voir dans la Constitution. Nous avons aussi organisé un symposium sur le constitutionnalisme qui a consisté à invité à Conakry un certain nombre de constitutionnalistes, un certain nombre d'experts qui ont donné leur avis sur le plan théorique sur ce que nous devons faire. Bon, à la suite de ce symposium sur le constitutionnalisme et des différents voyages d'études comme celui-ci que nous allons avoir, nous allons organiser à Conakry un débat d'orientation où les différentes franges de la population, à savoir les partis politiques, les organisations de la société civile, les universitaires et toute autre frange de la population représentative de l'opinion nationale, nous allons organiser ce débat sur le constitutionnalisme et après nous allons mettre en place un noyau de personnes qui vont rédiger le projet de constitution qui va être examiné par l'ensemble des députés et qui va être mis au vote à travers un référendum populaire. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui l'a réalisée, je souhaite de passer une agréable suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikoumasavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.